La révision finale, émission 1. Et avec nous aujourd'hui, Madame Marie. Bonjour, monsieur. Bonjour, Madame Marie. Et Madame Safinal. Bonjour, monsieur Victor. Bonjour. Avant de commencer, on va vous présenter les différentes parties de l'examen. Madame Marie, expliquez-nous les différentes parties de l'examen, s'il vous plaît. Ça va. Et au départ, nous avons deux compréhensions écrites, sont suivies par des questions sur la grammaire, le vocabulaire et les situations. Madame Safi, oui? Donnez-nous une idée générale sur les formes des questions. Bon, l'examen, si on parle de l'examen, il s'agit d'un QCM. Vous aurez donc, chers étudiants, quatre propositions, parmi lesquelles vous en choisissez une. Alors, maintenant, on va commencer très vite la révision. Et maintenant, mes chers élèves, suivez-moi, je vais vous lire le premier texte. La voiture électrique ne produit pas de CO2 à l'utilisation. Elle offre donc de solides avantages, surtout au cœur des villes. Allons-nous tous rouler un jour à l'électricité? Est-elle le véhicule du futur? La voiture électrique est alimentée uniquement de l'électricité. Elle possède un ou plusieurs moteurs électriques alimentés par des batteries et se recharge chez soi ou à l'extérieur via une borne spéciale, dans la rue, dans des parkings et des stations-service. Il existe également des voitures hybrides qui possèdent un moteur électrique et un moteur thermique. Une des solutions techniques pour limiter le réchauffement climatique est de rouler à l'électricité. Il faut notamment réduire l'utilisation des combustibles fossiles pour le transport. Les voitures électriques ne rejettent pas de polluants dans l'atmosphère. Elles présentent donc un bénéfice immédiat pour la qualité de l'air. Elle est également silencieuse. La voiture électrique demande peu d'entretien. Le système moteur est très simplifié par rapport à un véhicule thermique qui utilise l'essence, le diesel ou le gaz. Il n'y a pas de boîte de vitesse et pas d'huile à changer. Cependant, la production des batteries des voitures électriques pose de grands problèmes environnementaux et sociaux. On utilise de plus en plus de batteries au lithium pour les véhicules, mais aussi pour leur équipement informatique et électronique. Cela accroît la pression sur ce métal rare et les batteries peuvent causer un problème de gestion des déchets. La recharge reste une contrainte, une conduite agressive. Et l'utilisation du chauffage ou de la climatisation diminue rapidement l'autonomie. Le nombre de bornes est en hausse, mais reste restreint. Elle coûte cher à l'achat. Ses prix sont toujours très élevés par rapport à un véhicule classique. En somme, une voiture électrique peut être une alternative intéressante, à condition qu'il ne faille pas changer la batterie. Monsieur? Oui, madame. Il est temps de poser les questions? Oui, c'est le temps de poser les questions. Donc, mes amis, d'après le texte, choisissez la bonne réponse. On va choisir une seule réponse, pas plus. Donc, on va voir la question 1. Quel est le sujet principal abordé dans ce texte? Est-ce que c'est le réchauffement climatique ou les combustibles fossiles ou bien le véhicule électrique et à la fin les stations-service. Donc la réponse, le véhicule électrique. La deuxième question, quel est l'intérêt d'acheter un véhicule électrique? A. Le véhicule électrique prend du temps de recharge. B. Le recyclage des déchets pose problème.
C, le véhicule électrique est écologique. D, le prix du véhicule électrique est trop cher. La réponse est C, le véhicule électrique est écologique. La voiture électrique fonctionne avec A, une batterie, B, une boîte de vitesse, C, une boîte d'huile, D, un moteur classique. La réponse correcte sera une batterie. Pourquoi il ne faut pas acheter une voiture électrique? Parce qu'elle abuse des métaux rares, parce qu'elle est silencieuse, parce qu'elle est économique à l'utilisation, parce que son moteur est très simple. La réponse? Parce qu'elle abuse des métaux rares. Cinquième question. La voiture hybride est alimentée par A, le diesel et l'huile, B, l'électricité et l'essence, C, le gaz carbonique et l'essence, D, l'électricité et l'air. La réponse est C, l'électricité et l'essence. Numéro 6. Le moteur thermique peut nuire à notre santé parce qu'il est un véritable atout pour le calme des villes, B, parce qu'il se compose des équipements informatiques, C, parce qu'il se recharge dans la rue et les parkings, D, parce qu'il émet des polluants comme le CO2. La réponse sera parce qu'il émet des polluants comme le CO2. Choisissez le synonyme convenable de réduire. Accroître, diminuer, aggraver et à la fin agrandir. La réponse, diminuer. Choisissez le synonyme convenable de alimenter. Est-ce ruiner, briser, nourrir, détruire? La réponse, c'est nourrir. Numéro 9. Choisissez l'antonyme convenable. Bénéfice. A, perte. B, profit. C, faveur. D, bienfait. La réponse sera numéro A, perte. Choisissez l'antonyme convenable restreint. Étroit, étendu, limité et à la fin diminué. La réponse est tendu. Et maintenant, avec la compréhension 2, on va vite. Lisez le texte suivant, puis répondez aux questions. Madame Marie, s'il vous plaît, commencez à lire. Oui, je commence le deuxième texte. Le fruitarisme. Les fruits sont indispensables à une alimentation équilibrée. Ils sont les sources de vitamines, de potassium et d'antioxydants. Plus de 10 ans que la fameuse campagne de communication « Manger 5 fruits et légumes par jour ». Tout le monde sait désormais que les fruits sont bons pour la santé. Mais attention au fruitarisme. C'est un nouveau régime. Mais l'immense majorité des gens semblent à l'abri de développer des problèmes de santé en mangeant des fruits. L'excès peut quand même poser problème. En 2013, l'acteur américain Ashton Kutcher expliquait au journal USA Today avoir dû être hospitalisé à cause de son régime fruitarien. Le fruitarisme, variante extrême de la consommation de fruits, est associé à des carences en zinc et en fer. Mais les fruits sont aussi d'excellentes sources de vitamines, magnésium, sucre, fructose. En octobre 2016, une méta-étude réalisée par Dr. Steve Jobs mettait en évidence le rapport entre la consommation des fruits et la santé. Dans la majorité des cas, la consommation des fruits fait baisser l'obésité. Les fruits favorisent la perte de poids. Certaines formes de fruits, comme les jus, sont à déconseiller car ils causent le cancer du pancréas. Une étude de l'École de santé publique de Harvard en 2013 a noté « Manger des pommes et des bananes fait baisser les risques de diabète de type 2, mais consommer des jus de fruits les augmente. » En résumé, préférez les fruits entiers au jus de fruits
qui contiennent plus de sucre et moins de fibres. Quant à la consommation en grande quantité de fruits, elle pourrait vous causer quelques désagréments, mais rien de vraiment grave. Je ne suis pas contre la consommation. Les fruits et les légumes sont bons pour le moral. Donc maintenant, avec les questions, d'après le texte, choisissez la bonne réponse. Le thème principal de ce texte est le régime fruitarien, les risques du diabète, les dangers du cancer et à la fin, les bienfaits des antioxydants. Donc la réponse, le régime fruitarien. La question suivante, quel est le lien entre Ashton Kutcher et Steve Jobs? Ashton Kutcher joue le rôle de Steve au cinéma. Ashton Kutcher remplace Steve lorsqu'il est tombé malade. Ashton Kutcher était le conseiller en alimentation biologique de Steve Jobs. Les deux s'expriment sur le régime fruitarien. La réponse, la dernière, c'est les deux s'expriment sur le régime fruitarien. 13. On déconseille les jus de fruits parce qu'ils peuvent provoquer le cancer du pancréas, ils peuvent contribuer au diabète, ils amplifient le développement de l'obésité, ils contiennent moins de sucre et plus de fibres. La bonne réponse sera, ils peuvent provoquer le cancer du pancréas. Numéro 14. D'après l'article, Ashton Kutcher a été hospitalisé à cause de son excès en zinc, a été hospitalisé à cause de son excès en fer, a été hospitalisé à cause de son régime alimentaire et à la fin a été hospitalisé à cause du cancer du pancréas. La réponse a été hospitalisé à cause de son régime alimentaire. Numéro 15. Tantata pointillé est un des avantages des fruits. Le désagrément, l'obésité, la perte du poids, le cancer. La réponse, c'est la perte du poids. 16. L'auteur de l'article encourage à consommer des fruits, déconseille de consommer les légumes et contre la consommation des fruits, approuve que les légumes sont mauvais. La bonne réponse sera encourage à consommer des fruits. Numéro 17. Trouvez le synonyme convenable du mot suivant. Consommation. Présentation. Explication. Connaissance. Et à la fin, absorption. Donc, la réponse, c'est la dernière réponse. Absorption. 18. Trouvez le synonyme convenable du mot suivant, variante. Constante, inaltérable, différente, stable. La réponse, c'est différente. 19. Trouvez l'antonyme convenable du mot suivant, la majorité. Nous avons la minorité, la plupart, le plus grand nombre, la totalité. La bonne réponse sera la minorité. Numéro 20. Trouvez l'antonyme convenable du mot suivant. Désagrément. Donc c'est quoi? Mécontentement, souci, satisfaction ou bien embêtement. La réponse, satisfaction. Bon. Choisissez la bonne réponse. On va voir un autre type de question maintenant. S'il vous plaît, Madame Marie. Oui, vous voulez bien? Oui. Numéro 21. Parmi les catastrophes naturelles, on peut citer les accidents de route, les tremblements de terre, l'explosion démographique, les incidents, les incendies des usines. La réponse, c'est les tremblements de terre. Numéro 22. Mon père dit à ma sœur qu'elle est une personne productive. Cela veut dire que c'est une personne qui produit beaucoup de travail, c'est une personne qui produit beaucoup de difficultés,
C'est une personne qui est contre la production locale. C'est une personne qui néglige et qui rate son travail. La bonne réponse sera, c'est une personne qui produit beaucoup de travail. Oui, je comprends le pauvre garçon. Dit Danglars, en feignant de plaindre le jeune homme de tout son cœur. Cela signifie, Danglars plaint réellement le jeune homme. Danglars plaint vraiment le jeune homme. Danglars fait semblant de plaindre le jeune homme. Et à la fin, Danglars ne feint pas de plaindre le jeune homme. Donc la réponse, Danglars fait semblant de plaindre le jeune homme. Numéro 24. Mon ami veut qu'on accepte toujours sa volonté et ses idées. Cela veut dire qu'il se soumet toujours à ses décisions variées, qu'il essaie d'imposer son point de vue, qu'il est satisfait à la flexibilité et à la souplesse, qu'il peut s'adapter aux circonstances particulières. La réponse est qu'il essaie d'imposer son point de vue. Question numéro 25. Ce tableau m'a fait un coup de cœur. Cela signifie que j'ai trouvé ce tableau invisible, j'ai ressenti un grand plaisir pour ce tableau. Ce tableau est trop désagréable. La peinture de ce tableau est moche. La bonne réponse sera, j'ai ressenti un grand plaisir pour ce tableau. Vous voulez mener un projet pour la protection des animaux sauvages, alors vous négociez pour faire des réserves naturelles, tolérer la chasse abusive, massacrer les animaux rares et à la fin permettre le braconnage. Donc la réponse, faire des réserves naturelles. Numéro 27, choisissez la bonne réponse. Pour montrer votre horreur d'un métier qu'on vous propose, vous dites « Je l'apprécie, je le déteste, je l'adore, je l'aime bien. » La réponse, « Je le déteste. » Maintenant, on passe à la grammaire avec la question 28. Choisissez le pronom personnel convenable. Mon ami dit que le directeur de son entreprise, pointillé, à renvoyer. Bon, les propositions que vous avez, lui, elle, les, elle apostrophe. La bonne réponse sera, elle apostrophe, la renvoyer. Numéro 29, choisissez la bonne réponse. Ce garçon a un physique de jeune premier. Cela veut dire qu'il déteste être en bonne humeur, qu'il a l'air d'un clone, qu'il s'intéresse à son look et à la fin qu'il paraît triste. La réponse, qu'il s'intéresse à son look. La question 30, choisissez la forme active convenable. Forme active. L'homme a marché sur la Lune. L'événement a été suivi par 10 millions de téléspectateurs. Première réponse possible, 10 millions de téléspectateurs ont suivi l'événement. Deuxième, des millions de téléspectateurs suivront l'événement. L'événement est suivi par des millions de téléspectateurs. La dernière, des téléspectateurs vont suivre l'homme qui a marché sur la Lune. La bonne réponse est des millions de téléspectateurs ont suivi l'événement. 31. Choisissez le mot interrogatif correct. Dans l'avenir, pointillé, feront les robots à notre planète. Nous avons comme proposition les mots interrogatifs suivants. Quel, quoi, que, où. La bonne réponse sera que. Que feront les robots à notre planète? Choisissez le pronom relatif convenable. Voici la voiture. Point. Tu as acheté récemment. Que, qui, où et à la fin dans. La réponse, que. Voici la voiture que tu as achetée récemment.
La question 33. Et choisissez la bonne réponse. Il pleuvait, le week-end. Le choix, c'est il y a, pendant, au bout, depuis. Pendant. Il pleuvait pendant le week-end. Choisissez la forme convenable du verbe. Si les responsables des villes s'intéressaient à l'écologie, ils pointillaient l'usage des panneaux solaires. Nous avons ici favoriserait, favoriseront, favorise, ont favorisé. La bonne réponse sera favoriserait. Choisissez la bonne réponse. Pour quelle raison les employeurs favorisent-ils le télétravail? Parce que les employeurs vont licencier tous les employés, parce que le télétravail évite l'absentéisme des employés, ou bien parce que les employeurs veulent punir tous les employés, et à la fin, parce que les employés travaillent moins à la maison. La réponse, parce que le télétravail évite l'absentéisme des employés. La question 36. Vous êtes une personne économe qui voyage pour la première fois dans un pays étranger. Le choix entre vous dépensez votre argent en achetant des choses inutiles, vous mangez dans les restaurants les plus chers, vous achetez des choses dont vous n'avez pas besoin, vous dépensez sagement après avoir listé vos priorités. La réponse la bonne, c'est la dernière. Vous dépensez sagement après avoir listé vos priorités. Numéro 27. Choisissez la forme verbale correcte. Ma mère a envie qu'elle pointillait la voiture de mon père. Nous avons ici conduira, conduisez, conduit et conduise. La bonne réponse sera conduise. Choisissez les deux pronoms personnels convenables. Tu me prêtes ton invitation, s'il te plaît. D'accord, je, point et point. Deux pronoms personnels. Prête. Donc, on va choisir parmi tu le, te la, me la. La réponse sera te la. D'accord, je te la prête. La question suivante, choisissez la bonne réponse. Les villes du futur utilisent les panneaux solaires pour augmenter la consommation des matières combustibles, réduire les taux de pollution, brûler le feu de signalisation ou bien lutter contre l'absence du soleil en hiver. La réponse, réduire les taux de pollution. Dernière question, chers étudiants. Choisissez la bonne réponse. Hier, pendant que je prenais mon petit déjeuner, je pointillais les informations à la radio. Nous avons ici « et écouter »,« aurait écouté »,« écouterait » et « écouterait » à « i ». La bonne réponse sera « j'ai écouté les informations à la radio ». Mes amis, nous arrivons à la fin de notre émission. Attendez-nous demain pour la deuxième émission de révision. Madame Marie. Demain, monsieur? Ah oui, c'est demain. Ah bon? Ce sera la veille de l'examen, je crois. Ah oui, c'est la veille de l'examen. Alors, les élèves doivent se bien préparer. OK. Donc, Madame Marie, qu'est-ce que vous voulez dire à nos amis? Alors, moi, je donne un bon conseil. En effet, je le dis toujours à mes élèves. Lisez bien votre texte et lisez les questions. Et avant de vous mettre à répondre, patientez, prenez votre temps amplement. Vous avez le temps suffisamment avant de signaler votre choix parce que vous savez, c'est électronique. Si on donne une fois et c'est faux, attention. Alors, étudiez bien les réponses possibles. Vous êtes décidé,
appuyer la réponse après. Merci, Madame Marie. Et maintenant, c'est votre tour, Madame Savy. D'accord, Monsieur Victor. Moi, j'ajouterais à ce que Madame a déjà dit, que les élèves sont priés toujours de se référer au texte à chaque fois qu'ils choisissent, parce que c'est très important. C'est ça, ça c'est le plus important. Il faut revoir le texte à chaque fois qu'ils choisissent une question de compréhension. J'attire votre attention. Vous voulez aussi ajouter quelque chose? Un petit mot là. Oui. Comme Madame Safi vient de dire, on se réfère au texte parce qu'il n'y a pas de réponse de la tête. Il n'y a pas de réponse à improviser. Il faut réfléchir. Ah, ça dépend de la compréhension fine du texte. Voilà. Je suis tout Madame à fait d'accord. Merci. Merci à vous. Merci, et pour moi, je vous dis, mes amis, je vous conseille de lire et relire les questions plusieurs fois avant de répondre. Et comme ça, vous allez trouver facilement la réponse juste. Merci et à la prochaine émission. Au revoir.